Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour un nouveau euh, crypto débrief. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Euh, évidemment, on va continuer à suivre cette euh, cette euphorie actuelle hein, sur les marchés. On voit très clairement que bon, on est en phase encore d'accélération. Euh, justement, on va voir qu'il y a c'est un marché qui se fait vraiment sans étape pour le moment comparé aux années précédentes, comparé aux précédentes accélérations. Donc euh, voilà, c'est des choses que j'aimerais essayer de voir avec vous. On va continuer à suivre d'où viennent tous ces flux. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Je vous renvoie également au lien de... De Web3 Connect, hein, donc le, le, le 30 mars à Paris, à la Maison de la Mutualité. Il y a tout euh, en descriptif. Euh, N'hésitez pas à aller jeter un œil et à prendre votre place avec euh, donc, euh, mon code STAN25 et vous aurez 25%. Euh, donc voilà, on commence immédiatement. Voilà, au moment où je fais la vidéo, donc on est à 72 100, euh, 200 en gros, soit euh, près de. De 3000 au-dessus du dernier euh, plus haut historique. Donc, on est vraiment dans une phase euh, extrêmement bullish, Je vous avais dit sans précédent par rapport au précédent marché haussier, hein, ou en tout cas dans les périodes pré-halving. Euh, on voit bien que là, pour le coup, il n'y a plus euh, de notion de, de ruissellement ou même de, de narrative parce que tout est en train de, de pumper, en fait. Il y a plus de, on sent que tout, tout est en train d'exploser. De, euh, layer one, layer 2, euh, euh, les, euh, les shitcoins, euh, l'IA, tout est en train de pumper, en fait, dans tous les sens. Euh, on voit très clairement rien qu'aujourd'hui, hein, voyez sur les sept sur les derniers jours, Ethereum hein, qui, euh, qui est en train d'accélérer euh, également, euh, plus, plus 16%, BNB hein, donc à 518, plus 25%, euh, Solana 13%, et Solana qui avait déjà énormément augmenté, mais on est à 150, son plus haut était à 250, mais quand même, vous voyez, c'est quelque chose d'assez euh, important. Euh, on a aussi quelques notions, bon, alors Polkadot 8%, Bon, enfin, il se réveille pas vraiment, pour le Cadotte, hein, pour être franc, euh, c'est dommage. Euh, Polygon, 10%, mais bon, pareil, ça reste des... Euh, ça reste... On s'attend, en fait, il y en a pas mal qui s'attendent à ce que, finalement, les flux arrivent dans ces euh, Layer 1 et Layer 2 qui n'ont pas hyper bien performé. C'était les grands gagnants euh, du dernier marché haussier qui, finalement, aujourd'hui, sont pas si performants. Euh, Uniswap qui tire, évidemment, euh, qui tire bien son, son épingle du jeu par rapport au reste de la DeFi qui performe moyennement aussi. Euh, on a donc euh, Toncoin qui a fait une belle perf dans ce marché haussier, Near Protocol, hein, qui est en train de, part de prendre des parts de marché assez impressionnantes. Euh, Filecoin, qui s'en tire bien également. Vous savez, un hein, Filecoin qui, qui organise le stockage de data dans son réseau, qui, qui est très utilisé, hein, qui, est vraiment, qui repose sur IPFS, un projet que j'aime bien. Cosmos également, décevant, je trouve, mais bon, on repart de loin. Cosmos s'est descendu autour de 4, 5, 6 dollars. Donc on fait un x 2 mais c'est pas non plus les x 10 qu'on a pu voir. Euh, donc on attend toujours un peu de on attend un peu de finalement de move hein, sur ces euh, sur ces layer 1. Alors c'est une layer 0, vous allez me dire oui, mais quand même enfin voilà, c'est important, immutable donc pour les NFT euh, pareil ça j'espérais personnellement plus de plus d'upside sur, euh, sur les NFT. Bon, 10%, ça reste bien, vous voyez. Aptos, qui a fait un très bon marché haussier. Euh, Optimisme aussi. Hein. Donc, la Layer 2, une des principales de des bon, On attend, on attend toujours. Bon, évidemment, Render, intéressant. Euh, 61 plus 61%, mais bon ça, ça fait partie des outsiders, au même type que euh, Tao, que fetch, que Cas, voilà ouais, tous ces qui ont effectivement hyper bien performé pendant pendant ce, ce marché aussi. En tout cas, dans cette première patte haussière, je pense qu'on n'est pas, euh, je pense qu'on n'a pas atteint encore euh, le évidemment le sommet. Il euh, y aura des corrections et justement il n'y en a pas encore eu beaucoup pour le moment. Si on regarde cette charte, alors je vais euh, c'est assez intéressant de voir parce que finalement on a c'est un peu la, le, le mapping des corrections par rapport aux autres marchés aussi vous voyez que dans le précédent marché aussi on a eu des corrections très importantes bon après 2021 évidemment avant de repartir sur fin 2022 avec le, le nouveau historique le plus historique mais même pendant euh, le pendant vous voyez il y avait il y avait eu quand même des euh, il y avait eu des, des plus bas ici pour le moment on a on a très peu de corrections par rapport au au précédent marché aussi on monte clairement euh, pour le moment ça, c'est vraiment monté euh, tout droit. Alors on ne sait pas euh, si ça va. Ça va s'arrêter d'accélérer. En tout cas, pour le moment, il euh, n'y bah, a rien nous permet de penser que ça va s'arrêter. En tout cas, tant que euh, le, le marché traditionnel, je pense, action ne s'arrête pas, et que les flux institutionnels dans le Bitcoin ne s'arrêtent pas. Si vous voulez. Quand vous voyez des charts comme celui-là, donc le, le rapport euh, hebdo hein, de, de Coinshare sur euh, les flux des investisseurs institutionnels dans l'univers des cryptos, et en particulier dans les fonds d'investissement, euh, là on voit que ça ne s'arrête pas. On est à euh, plus de plus de 2 ,5 milliards 5 Donc euh, si vous regardez euh, la semaine dernière, euh, Grayscale continue à continuer à se vider. Évidemment, on l'avait déjà expliqué, hein, parce que les fees sont extrêmement élevés et parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas du tout apprécié d'avoir leur fonds bloqué euh, pendant tout le bear market, euh, donc dans, dans le trust de Grayscale. Et donc là il est en train de se vider évidemment au profit de, de iShares, l'ETF de, de BlackRock, celui de Fidelity aussi, on voit bien que ce sont les deux qui sont en train de tirer euh, leur épingle du jeu. Et d'ailleurs, on voit Larry Fink, hein, le fondateur de Blackrock, qui communique énormément en ce moment sur le Bitcoin, en faisant même, en nous expliquant même, comment le, le, le à la télé, hein, comment le Bitcoin fonctionne, ce qui est incroyable hein, quand on y pense, parce que c'est des c'est des mecs. Qui il euh, y a un an disait que le Bitcoin c'était un scam, enfin euh, pour de vrai. C'est comme Jamie Dimon euh, de, de JP Morgan qui euh, une année dit que c'est c'est pourri, le lendemain dit que finalement, enfin euh, c'est un scam et euh, derrière sont en train de construire euh, des JPM euh, Coin, euh, sont en train de construire des des des, des réseaux de paiement. Donc enfin euh, voilà, c est, c est, ça fait partie de toute cette grande hypocrisie. Euh, on voit bien que tout va dans le Bitcoin en ce moment et, euh, et ça c'est super impressionnant parce que vous voyez il y a rien pour les ethers mais ça pourrait changer pour le moment toute l'injection se fait dans le bitcoin et ce qui est intéressant de voir c'est que le bitcoin est en train de devenir une classe d'actifs à part entière et c'est ça qui est en train de se passer en ce moment c'est que pendant des années on a, on a renié le au crypto euh, cette, euh, finalement ce statut de classe d'actifs à part entière, maintenant le, ce qui est en train de se passer sous nos yeux, c'est ça, c'est que le, 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 le Bitcoin et donc les cryptos sont en train de devenir une classe d'actifs, et on le voit très bien ici, si vous voulez on a les grandes classes d'actifs avec l'or à 14 trillions, je vous avais déjà expliqué ça la semaine dernière, vous voyez après on a les, les grandes capitalisations de marché en fait et euh, voilà, Apple, Microsoft, Nvidia évidemment, Amazon, Alphabet on, on note quand même que les, euh, finalement ces grosses boîtes, c'est une parenthèse, hein, mais ces énormes boîtes euh, de la tech Américaine qui tire actuellement le S&P vers le haut. Euh, tout le monde dit que c'est une bulle, bah en fait pas tant que ça parce qu'ils ont des ils ont des revenus qui sont euh, qui sont qui sont énormes en fait et donc qui justifient leur capitalisation. C'est ça qui est complètement dingue en fait. Euh, c'est que et d'ailleurs il y avait un article super intéressant de Ray Dalio là tu y disais en fait on n'est pas tellement contrairement à la bulle de 2000. En fait on n'est pas on n'est pas dans une bulle parce que les je veux dire on peut pas comparer euh, Nvidia à Cisco parce que euh, Cisco en, 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 en 2000 a eu a eu une, une croissance de bulle mais n'avait pas les revenus dernières. Nvidia a les revenus derrière ce qui est complètement fou. Bref, tout ça pour dire que Bitcoin maintenant arrive directement après Alphabet donc Google et euh, avec une market cap de presque 2 trillions donc presque 2000 milliards euh, et quand on parle de Bitcoin et eh bien on parle aussi de l'ensemble des cryptos parce que ce qui va se passer après euh, eh bien ça va être évidemment un ETF sur euh, sur Ether et après sur les autres principaux euh, principales cryptos pour le moment c'est le Bitcoin mais ça c'est sûr que ça va justement pour le coup ruisseler et qui est ce qu'on a en, 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 justement euh, à la tête de tout ça et eh bien c'est Grayscale Coinbase qui discute activement avec euh, la SEC donc le gendarme de la bourse américaine pour faire valider ces ETF euh, et ça va arriver très rapidement pourquoi bah, évidemment parce que Grayscale eux ils ont déjà ils ont déjà un ETF enfin ils ont déjà un trust exactement comme ils avaient avec le Bitcoin euh, dédié euh, aux éthères. ils ont déjà beaucoup d'éthères. et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui serait ravi que leurs éthers euh, eh bien, soient deviennent un ETF pour qu'ils puissent les retirer notamment. Euh, et, et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que le, le, le Bitcoin est actuellement extrêmement bullish et qu'on n'assiste pas pour le moment à une alt season à, à proprement parler comme on aurait pu euh, assister dans les derniers marchés aussi. Vous voyez en 2021 ou en 2022. Euh, pour le moment, le Bitcoin reste plus bullish euh, finalement qu'une grande partie euh, du, euh, du marché en fait, euh, que, que l'ensemble des autres cryptos. On le voit très très bien ici. Hein le Bitcoin n'est pas du tout distancé. Il, se... Il est à la, euh, je sais pas, 20e place des performances dans les trois derniers mois. Et ça, c'est un truc qui est assez rare, en fait, en... lorsque lorsqu'il a déjà pumpé beaucoup, en fait. Normalement, on, on rentre en alt-season, c'est-à-dire... Que les flux descendent dans les principaux euh, alt. Euh, mais tout ça pour dire que je pense que au final ça va devenir extrêmement bullish pour Ether dans un deuxième temps. Si jamais on a, un, si jamais on a un, déjà avec le calendrier correspondant hein, aussi, il faut que, faut pas qu'il y ait une récession, faut pas qu'il y ait un crack dans les, euh, un crack boursier euh, sur le marché euh, traditionnel. Mais si jamais euh, le le, le marché reste aussi soutenu jusqu'à l'approbation euh, d'un ETF euh, sur Ether. Euh, de toute façon, ça restera bougiche à long terme, hein, de toute façon, parce que ça va créer un énorme effet de rareté sur les ethers. On voit bien que déjà, et ça, je vous en avais déjà parlé à plein de, à, à plein de reprises, le, le, les, les ethers sont euh, décroissants pour le moment. Hein. Vous voyez la, la courbe de croissance des ethers depuis, euh, depuis the Merge, donc en septembre 2022. Eh bien, on voit que le nombre des ethers a, a diminué pas énormément, mais il a diminué. C'est-à-dire que l'ensemble des éthers en circulation diminue. Concrètement, ça vient d'où Ça vient du fait qu'il y en a une grande partie qui sont brûlés, euh, qui sont brûlés, en fait, euh, ici, à, enfin, dû à l'EIP 1559, hein. on s'en souvient bien. Vous voyez la différence, en fait Là, ça, c'est avec le Proof of Work, avant. Donc, il fallait émettre 4900... Euh, non, c'était plus... Euh, c'est euh, 4 millions 900 000, donc presque 5 millions d'éther pour payer les mineurs pour qu'ils soient rentables parce que ça leur coûte extrêmement cher de miner des éthers euh, avec ça, donc il y avait toujours le IP qui brûlait. Donc le IP c'était une partie des fils qui était brûlée au lieu d'être donnée à ces mineurs. Euh, et donc on avait forcément une, un, une, un accroissement du supply, donc des, du nombre des éthers en circulation de plus de 2%. Euh, avec le proof of stake, je vous ai expliqué que c'était très différent, parce que finalement ça a coûté beaucoup moins cher aux mineurs d'aller miner des éthers, ce qui fait qu'il n'y a, y a, y a, y a pas besoin d'émettre autant d'éthers en fait, on en émet beaucoup beaucoup moins, on en émet presque euh, un million, même pas un million, Vous voyez du coup euh, on continue à en brûler autant, mais euh, le supply devient négatif, c'est pour ça. Et euh, je pense que ça, cet effet, c'est un peu le halving de, des éthers, euh, qui est permanent, je pense que ça, ajouté aux, aux ETF spot sur Ether, va avoir un effet extrêmement bullish sur les Ether à terme. Donc euh, c'est pas pour tout de suite, mais je pense que c'est pour 2024, 2025 qu'on a encore rien vu, je pense, sur la capitalisation des Ether. Voilà, c'est pour ça que euh, donc, vous gardez ça en tête. Euh, maintenant je, je dis il faut pas faire de FOMO, enfin faut pas obligatoirement faire de FOMO parce que euh, bah, les capitalisations ont énormément monté. Là on est on est on vient de passer les 4000 dollars sur les ethers. Euh, L'ancien le, le, plus haut historique des Ether était à 4008. Euh, voilà, on, on s'en rapproche quand même, hein. on s'en rapproche, même s'il y a encore une marge de manœuvre, euh, par rapport au bitcoin. Là on, on voit bien que tous les flux vont dans le bitcoin, mais euh, c'est possible que ça, ça commence. En tout cas, quand ça va être le tour des Ethers, ça va, ça va sans doute exploser à ce niveau-là aussi. Pourquoi je vous dis que ça peut se retourner aussi, c'est parce que on a... Alors... Euh... Voilà, on ne sait pas encore, hein, mais c'est que les les open interest, donc c'est-à-dire l'ensemble des positions sur les produits dérivés euh, sur Bitcoin, sur Ether, notamment. Bah là, on part en l'occurrence, on parle du Bitcoin, sont euh, on, sont à leur plus haut, si vous voulez. Si vous regardez par exemple ces positions, vous voyez par exemple ça, donc ça c'est le prix du Bitcoin et ça, ce sont ce qu'on appelle les funding rates, les taux de financement euh, du euh, donc du Bitcoin et euh, si vous regardez, ils ont jamais été aussi élevés. Il y a euh, concrètement, je ne vais pas rentrer dans trop les détails. j'en J'ai ai déjà expliqué à plein de reprises dans dans le coaching. En gros euh, ça veut dire ça que la pâte longue du contrat de futur perpétuel est extrêmement gagnante par rapport à la pâte euh, euh, short vendeuse. Enfin ce qui est logique, hein, vu, euh, vu qu'on est en train de monter euh, extrêmement. Mais si vous regardez historiquement, euh, vous avez, euh, ça c'est donc en 2021. On arrive dans des niveaux qu'on n'avait pas atteint depuis euh, bah, 2021, si vous voulez, en termes de, de fonds rates, de taux de financement aussi élevés. Ça veut dire quoi En fait, ce qui se passe concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les, euh, la, la partie euh, longue paye la partie short, et là, elle la paye très très cher. Avec des taux de financement comme ça, ça coûte très très cher aux personnes qui détiennent, euh, euh, qui détiennent des, des contrats de futurs euh, euh, perpétuels longs. Et euh, donc généralement, quand on atteint des niveaux pareils, euh, le marché se retourne parce que c'est enfin en tout cas les, les longues vendent euh, et inversent leur position short. Bon c'est pas forcément pour tout de suite, vous voyez ça avait pris du temps à l'époque, hein. c'était pas forcément pour tout de suite, mais on avait eu des corrections importantes en fait, qu'on n'a pas du tout pour le moment, on n'a pas du tout de correction, c'est ça qu'il faut voir, c'est ce que j'essaie de vous dire, c'est que pour le moment, on n'a pas de correction, et moi mon sentiment, et ça n'engage que moi, une fois de plus, c'est que euh, cette montée, cette montée brutale actuelle, portée par euh, le FOMO des instituts sur les ETF, euh, sans correction euh, dans, dans cette progression, pourrait aboutir à quelque chose d'assez euh, à une correction assez forte je pense enfin en tout cas c'est euh, c'est ce qui pourrait arriver alors peut-être du style de ce qu'on avait connu en 2021 à partir du 19 mai quand la Chine avait interdit le minage euh, on va voir tout ça en tout cas je, je sais pas comment ça va se passer maintenant euh, on voit aussi que du côté des des options on a des open interest qui sont majeurs qui sont vraiment importants enfin comme on en a rarement vu avec un max pen price à presque 48 000 euh, alors qu'on est à 72, on va voir ce qui va se passer. Euh, je ne sais pas trop euh, dans quel sens ça peut aller, mais euh, pour le moment, en tout cas, on a, on a des open interests qui n'ont jamais été aussi élevés. Et, euh, et euh, donc voilà, on, a, on, on, est, on est dans une pâte extrêmement euh, intense du marché, on le voit très clairement, et qu'il va y avoir une correction à un moment ou à un autre, de toute façon. Il faut s'y attendre, il faut s'y préparer. Euh, donc euh, voilà, et on a, on a derrière. Ce qui est intéressant de voir, quand je vous parlais d'adoption de classes d'actifs, on y est. On voit le, euh, le London Stock Exchange quand même, hein, donc euh, l'une des plus grosses places boursières de la planète, qui nous dit euh, les options, donc dont je viens de vous parler, sur Bitcoin et Ethereum vont bientôt être listées. Et donc là, c'est genre euh, le début des, des flux euh, des institutionnels. Est-ce qu'on doit s'en réjouir J'en sais rien. C'est euh, mais mais on savait que ça arrivait en fait. On savait que cette ces Bitcoin et ces ethers, mais toutes les cryptos en général, euh, sans parler des, des, des real world assets, hein, sans parler de la tokenisation. Euh, ça devient une classe d'actifs. Je vous l'ai déjà dit depuis longtemps, c'est que euh, ils n'auraient pas prévu des réglementations pareilles aussi, aussi bien au niveau européen qu'américain euh, si ça devenait pas une classe d'actifs. C'était évident que ça devenait une classe d'actifs. Maintenant on est en train d'y assister là. On savait que ça allait arriver. C'est en train d'arriver. Si vous êtes positionné, si vous nous avez suivis, c'est le... Normalement vous êtes gagnant euh, très largement et euh, c'est l'objectif. Maintenant on voit que c'est que le début en fait. C'est ça qu'il faut capter, c'est que c'est que le début. Vous voyez On n'a encore rien vu je pense. Donc euh, on garde la tête froide. Et voilà c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et euh, on se retrouve très rapidement. Bye bye.